Salut tout le monde, c'est Xeleko et bienvenue pour cet épisode de Bravely Default. Et avant tout, bonne année, oui. Ah, et d'ailleurs, on va commencer par une bonne nouvelle, parce que si vous avez vu, c'était le dernier épisode de Zelda aujourd'hui, où vous verrez cette vidéo de Bravely Default. Du coup, je vais pouvoir me concentrer plus facilement sur un seul jeu de 3DS, plutôt que deux, et du coup, ça... Je pense que je vais peut-être pouvoir sortir du Bravely Default tous les jours, voire tous les deux jours. Peut-être pas tous les jours quand même, mais quoique. Quoique, on ne sait jamais. Allez, on va continuer un petit peu notre investigation. なんだか目が血走っていたけど聞かざることがこの国ではステータスになっているようだな流行分析のため道具屋に聞き込みだなんでリンザーベルがこの国の流行を分析する必要があるわけ決まっているだろうこの国の女性をエスコートするときに必要になるからだ Les petites recherches sur la mode, la petite discussion, les éléments des coups spéciaux. Il y a à Noren des endroits qui vendent des éléments à coups spéciaux. Ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. On peut utiliser ces éléments pour personnaliser ses coups spéciaux. Sans oublier que les éléments ne sont pas consommés quand on les utilise, ce qui permet de s'en servir encore et encore. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons en chercher tout de suite. Il semblerait qu'il y ait des attaques rares, même parmi les coups spéciaux. Ah. C'est vrai, je l'ignorais. Que veux-tu dire aux justices? Je veux parler des attaques au bâton et au sceptre. Il leur faut des éléments différents des autres armes. Alors pensez à les essayer. Comment ça? Petit suspense. Hey mamie! Elle nous dit rien. Ok. Donc on va retourner voir la marchande. Étudier un petit peu la mode de Florem. ああ、花の髪染めね。すごい人気よ。今やこの国の女性たちの間では三種の神器の一つとまで言われてるぐらいなんだから。ただ、これはあくまで噂なんだけど。 Encore une trame derrière cette teinture après les ailes de Barrette. Je voulais voir un petit truc. C'est bien ce qui me semblait, j'avais la lame auto-aspire d'une dernière vidéo. Aspire les attaques physiques annulées par magie des lames. Que je comprends pas ce que c'est. Aspire les attaques physiques annulées par magie des lames. On va essayer, on verra bien. D'accord. On va ressortir dehors. Ok, donc on va se diriger vers la seconde quête secondaire. On va garder la petite quête principale pour plus tard. Alors, il faut monter vers le nord. Il y a un petit passage là derrière, apparemment, c'est ça? Je vois la petite carte en bas. Par là, let's go. Ah, oh ben, en plein milieu comme ça, je m'y attendais pas. していない。東の森に向かっているだけだ。嘘おっしゃい。花の髪染めの製法を鍵つけようってコンタに決まってるわ。あの髪染めの発色の良さに感動したんだ。ぜひ教えてくれないか。
Oh, ça décolle plus, elle le protège. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu lui dis du changement. Attaque. Bah, 3, 4 attaques. Hein. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, la lame bleue là, elle est chelou. Ouah, ça pique. J'ai rien compris. C'était quoi? Il a absorbé de la mana, c'est ça? Oh putain. Faut que j'en ai le cœur net. Foudre. Oh, 2187. Ah, je me disais, merde, ma console a planté ou quoi? J'ai flippé un quart de seconde. Magie. Marron. Putain, ça soigne bien. Faut que j'aille par là. Ah, là, il y a un arbre. D'accord, donc les ailes pour les barrettes, et donc c'est de la moelle d'Orochi, des serpents, quoi. Toutes les petites fleuries et les serpents qu'elles vénèrent, disparus, quoi. Le toit tordu. Ils sont énormes, les machins. What the fuck is this? Kariud Artemia. No. Uragirimono. Non, 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 non. C'est quoi cette tête de rôdeuse là? Anata ga shugoshin o koroshita no. Mokuteki wa hana no kamizome no genryou o te ni ireru tame. Artemia katta. Mori Orochi. Takusan katta. Shugoshin kara eta genryou de kamizome o tsukuri. 人々を惑わすブラッドローズ特務隊ってそんなくだらないことをするための組織だったの。アルテミア従うだけ。お姉様の指示正しい。お姉様って
Oh, stylé l'effet! Alors, elle est trop moche, mais le personnage est juste génial, quoi. Alors, je vais en avoir le cœur net, 178. Je vais voir si ça récupère le mana, comme je le pense. Défaut. Défaut. Oh, spécial. Alors, faut que j'élimine ça rapidement, quoi. Je le tente... On la protégera au pire. Quatre... Ah ouais, il a récupéré de la mana. Putain, tiens, choc l'autre, merde. Défaut. Compétence scan sur Artemia. Attaque l'empaleur de la région. Compétence magie blanche soin sur Ingabel. Bon, c'est tout. Ah ouais, 14 000 points de vie là encore. Hein. 15 000 points de vie. Eh vas-y. Oh putain, là il y en a au deux. Oh my god. Compétence magie lame de foudre. Attends, c'est quoi? Faiblesse feu. Ok, magie lame de feu. Attaque. Sur l'empaleur de la région. Compétence, chevalerie. Bandage sur... sur Agnès.
Compétence magie blanche, soin 2. J'ai soin 2. Ah voilà quand même. Oui, c'est bon. Yes, ouh. Là, ça m'a surpris un petit peu. C'est bon, voilà, on est reparti sur des bonnes bases. Alors, défaut. Fais chier, défaut. 121. Est-ce qu'elle va refaire un défaut ou pas? J'ai plus le choix de toute façon. Attaque. Ah mais je vais en prendre cher si elle me met un combo d'un coup là. On va essayer de le maintenir lui en vie. Compétence. Compétence, titan d'acier. Quand ça doit être du physique, j'ai l'impression. Hein. On va faire une bouclier sur Agnès et bouclier sur Edea. Et toi, on va te faire encore un petit défaut. Oh yes, il fait super mal. Ok, bon ça va. Spécial coupe time. Ouais, on peut. Je vais attendre plutôt d'avoir tout. Compétence chevalerie. Targe montante. Compétence magie blanche, soin 2 sur Edea, suivi de compétence barrière sur Ringabel. Outils, on n'a pas forcément besoin. Et puis c'est tout. Et toi, ma cocotte? Alors ça, c'est foudre. Hein. Je sais pas si elle a une attaque feu, j'ai pas fait gaffe du tout. Spécial éclair intense. Ou alors j'attends. On va attendre. Compétence magie noire, feu 2. Vas-y, crame-la. Oh bûcher. Oh putain, elle a fait une... Fuck. Eh merde, 4 feux dans le merde. 400. Tout ça claqué sur un défaut, quoi. Merde. Je sais plus comment ça monte les épées, je crois que c'est quand je fais défaut, hein. Je sais plus. Compétence chevalerie targe montante. Défaut. Et défaut. Non, on va faire un défaut là, ça pue le défaut. Compétence targe montante. Compétence soin 2 sur tous, défaut. Je le savais. Allez, quadruple attaque de feu. Compétence targe montante, défaut. Et spécial onde frémissante, j'ai envie de la voir. Donc on va faire simplement feu et feu. Oh, il lui fait tellement mal, mon Ringabel, là. Il déchire. What? My God. Défaut. Compétence divers bandages. Double bandage sur Ringabel. Compétence magie blanche vie sur Edea, suivi d'un soin 2 sur Edea, suivi d'un soin 2 sur tous, suivi d'une barrière sur Edea, pardon. Ok. Thank you.
Allez, vas-y. Je vais quand même mourir par le pouvoir de la sorcière. Ah, yes! Ok, défaut. Voilà, j'encaisse. Ah, ou deux fois de suite, ça pique un peu, ça va. Défaut. Compétence. Torche montante, on va faire. Là, on va faire double compétence, magie blanche x2. Allez, montre-moi de quoi tu es capable, onde frémissante, suivie de feu de x3. Allez, est-ce que tu es capable de t'en débarrasser? Oh, joli. C'est tout, ça fait nos dégâts. Ah ouais, ça baisse toutes les stats, quoi. J'ai un combo de trucs de ouf. Si c'est la rôdeuse à l'arc et que l'attaque là-bas, ça absorbe la mana, c'est juste nawak quoi. Vous imaginez le truc? Aider à gagner résonance noire, je sais pas c'est quoi. Garde angélique, je sais pas c'est quoi. Ouais, normal, je découvre. Alors on sort le petit stylet. Ah bah non, c'est vrai, une nouvelle classe. Hey, hey. Viser les points faibles de chaque ennemi, grande pression, préfère arc et dague. Mais par contre, c'est moche là, comme... Non, c'est sérieux, c'est ça leur truc là? Ah, c'est affreux par contre, non, mais attendez, archer mec, l'archer c'est la classe, la pureté, la finesse, l'agilité. Compétence. Donne 50% de chance de réduire de moitié les dégâts encaissés, qu'il s'agisse d'une attaque individuelle ou collective. Remarque inefficace contre les dégâts de poison. Oh, c'est OP. Oh, mais bien sûr que je lui mets. Oh, plutôt que ça, c'est de la merde. Et toi, résonance noire. La puissance de la magie noire augmente pour chaque allié autre que vous utilisant cette compétence. Pas compris. La puissance de la magie noire. Ah ouais, si j'ai 4 mages noires, quoi. 3 alliés avec résonance noire. Ça... Ah non, je peux leur donner sans. D'accord. Mais là, j'étais parti sur un autre truc. Étant donné qu'il peut recharger de la mana, plutôt que d'avoir un mage noir qui se fait chier à perdre de la mana, pourquoi je prendrais pas. Bah, je la fous en rôdeur, quoi. Sauf que le rôdeur, il va faire super mal. Mais rappelons que l'arc, le spécial des arcs, c'est d'exploiter les faiblesses d'éléments de famille. Donc, si par exemple il est faible au feu, je dois taper feu et comme ça, ça permet de donner un point. Enfin, faut que je le fasse 5 fois, 10 fois, 15 fois. Du coup, rôdeur plus mage. L'âme sort, ça se marche trop bien. Je vais le monter niveau 5. Oh, sexy baby. Vers l'équipement. Je vais le monter niveau 5. Alors, par contre, ouais, il peut pas tenir d'épée à deux mains. Ouais, 82, c'est pas terrible. Allez, on va quand même lui mettre. Par contre, je perds un max en défense. Ça va piquer, ça.
Voyons un petit peu les stats. 58, 97, 62. Ouais, c'est pas très élevé. Il va falloir que je joue un petit peu plus sur la défense, peut-être. J'ai monté le lame sort niveau 5 avec EDA et après je la passerai en rôdeur. Parce que comme ça, du coup, elle pourra taper sur les malus des faiblesses et en plus bah, récupérer de la mana entre les combats, quoi. C'est stylé. Alors, discussion. Son premier arc. C'est ce qu'on appelle un arc? Oui, c'est la première fois que tu en utilises un, Agnès. Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'avais encore jamais tenu un. Est-ce que je peux aller l'essayer là, par là-bas? Il est très important de s'équiper d'armes adaptées à sa classe. Ça oui, en plus l'arme dont tu t'équipes a un impact très important sur ta puissance d'attaque. L'arme de prédilection du chevalier est l'épée, celle du mage blanc c'est le bâton, celle du mage noir le sceptre. Ah, revoilà Agnès. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet arc? Eh bien, je m'attendais sans doute à ce qu'il soit plus efficace. J'ai presque l'impression que je m'en sortirais mieux à main nue. Ça n'a aucun sens, l'arc est une arme puissante. Je sais, montre-le lui en tirant une flèche sur cette clôture là-bas. D'accord, c'est parti. En plein dans le mille. Qu'est-ce que cette espèce de baguette que l'arc a tirée? Qu'est-ce que c'est une flèche au juste? Attends, tu ne sais pas ce que c'est une flèche? Ah oui, c'est sûr que c'est un peu chaud. Allez, un petit dodo. Et puis, on va falloir se refaire un petit peu de stuff, hein. Ah, j'ai mal au dos aujourd'hui. Alors, en plus, avec les fêtes. Toutoum. Acheter des objets. Non, acheter de l'équipement, je veux dire. Alors, un poignard, non, il me propose que dalle le bien. Très, mais ça coûte la peau du fion, quoi. Et si je vais à la boutique toute seule, là. Je suis en train de me dire, mais comment ça se fait que d'un côté, il y en a un qui a un cimeter et qui tape à 126, et l'autre, le cimeter, il tape à 74, mais j'oublie qu'il a la compétence deux mains aussi. Et ouais. Et ouais, c'est pour ça qu'il tape aussi fort avec l'épée. L'arc là, il est moins bon arc composite, poignée aiguisée. Mais du coup, est-ce que je peux faire en sorte... Si je lui mets un meilleur plomé de jade là, elle tape plus fort. Mais ça se trouve, elle pourrait voler aussi de la mana pour un mage blanc, ça peut être stylé. Y a des meilleurs boucliers ici en tout cas. Léger, mais bon. Casque d'Hydraxyl, ça aide personne. Particulièrement. Ouais, c'est vraiment léger, léger quoi. Ah, ouh, putain, c'est de là, ouais, ok. Veste finement tissée améliorant l'esquive. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Une armure d'Hydraxyl qui augmente bien bien la défense. Ou ça, pour quelques points de défense, je tiens de la défense, je l'esquive en plus quoi. C'est valable pour tout le monde, hein, donc je pense que je vais l'acheter pour tout le monde, clairement. Ça améliore l'attaque magique par contre. Ah mais je suis en train de réfléchir à un truc. S'il tape super fort avec les éléments, c'est parce que aussi la classe, elle vaut ça, attendez. La classe là. L'âme sort, de base, elle a des stats. Voilà, 30 force, 26 intel. Donc si je la mets en rôdeur. Eh ouais, 31 de force, mais 18 en intel. Du coup, ça va pas être autant efficace les éléments. Ah! Ça dit, ça sera peut-être de l'élément physique, je sais pas trop. Putain, par contre, ils sont tellement moches. À la limite, EDA, quoi. Ça lui rappellera sa sœur. Ouais, c'est moche, hein. Oh, putain, je suis déçu, quoi. Mais c'est la classe, un archer, je suis désolé. Oh, tellement de tristesse. Allez. Équipé.
Alors. Et hop, on va s'en racheter une autre. Merde, pardon. Et voilà, on se refait un petit peu notre taux de défense. Au moins, ça va être un petit peu plus sympa. Ouais, même si elle est encore léger. Elle est stylée en plus, hein, quand même. Sexy baby. Et puis en plus, avec un arc sexy. Magnifique. Par contre, on va quitter ça. Vendre. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Bon. On a sauvegardé un coup. Désolé, je ne parle pas aux filles qui ont des cheveux d'une couleur horrible et ne font rien pour arranger ça. Ok, pétasse. Alors là, je pense qu'on va devoir retourner sur la quête principale, apparemment. Mais écoutez, je vais faire un épisode plus court que d'habitude, parce que... Non pas que j'ai pas envie, mais c'est que là, je suis dans une posture où j'ai relativement mal au dos. Enfin, j'ai mal au dos, en fait, depuis hier. Et la posture, là, pour jouer à la 3DS, ne m'arrange pas. C'est vraiment pas agréable. Par contre, je pense... Alors cet épisode, vous le verrez jeudi, je pense vous refaire un épisode pour vendredi. Et si j'ai rien d'autre, je pense que je vais peut-être me faire un petit épisode de Bravely Default tous les jours, quasiment. Tout en proposant quand même d'autres vidéos d'Hearthstone, donc si ça peut vous intéresser toujours de les regarder, ça peut être un peu plus agréable. Enfin, un petit épisode plus court, mais au moins voilà, c'est pour vous avez quand même la bonne nouvelle que Zelda s'est terminé, du coup je vais pouvoir me concentrer sur Bravely Default. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine, rendez-vous sur mes autres vidéos. Allez, salut tout le monde, ciao !